Bonjour. Voici donc la porte de la cabine de la cabine. Oui, c'est une cabine d'ailleurs, c'est une cabine de bateau. Car celui ou celle qui va y entrer se trouvera donc dans une sorte de vieux voilier pris dans la tempête. Et il va falloir trouver, pendant le temps de la clepsydre, la clé, car je vous le rappelle pour le moment, passe-partout, nous avons... Alors c'est bien rigolo tout ça, mais oui, mais c'est maigre. Il vous en faut 7, et pendant ça, le temps tourne, donc on ne va pas tarder, et... Aïda. Allez, c'est celle-là. C'est bon. Je pense à mes enfants, je pense à mes enfants. Allez, Aïda. C'est bon. Allez, allez, go. Allez, accroche-toi. Faut que je fasse quoi, là? Allez, Aïda. Allez. Aïda, ouvre tous les tiroirs. Ouvre bien et fouille dans les bouquins. Dans les bouquins, dans les trous, partout. Dans les paniers. Les enfants, on en a une. Yeah, ouais. Et on arrête le compteur, là. Non, mais c'est, on s'en fiche. Mais on a tout en j'ai gagné une clé. Non, non, mais plus que ça. Non, non, mais c'est plus que ça. Ah ouais, on a gagné du temps. Ce que tu viens de faire est absolument énorme. Car tu es dans l'histoire de ce fort, la première à avoir trouvé au pied marin la clé avec cette rapidité-là. T'es trop forte. Bravo.